Bonsoir, bonsoir, bienvenue à bonsoir tous. À tous. Donc là, on va vous présenter, oui, chacun son tour. La semaine dernière, on a eu droit à Shock Trooper avec Christian, et là, c'est mon tour de vous montrer Shock Trooper, entre guillemets, 2, c'est deuxième vague, deuxième squad. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Deuxième squad. Donc, je laisse l'honneur à Christian de tout ce qui est aspect technique. On va, par contre, je vais rapidement me présenter. Depuis la semaine dernière, excusez-moi. Donc, Nicolas Bernardino. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis la personne... Bienvenue forcément sur la chaîne MO5 pour ce superbe live avec Christian et moi-même. Donc, Nicolas Bernardino, moi-même. Rapidement, je... dans les ouvrages Pix and Love, je suis la personne qui est en charge de tout ce qui est vente en termes de salon. Voilà, excusez-moi, je suis en train de verser du thé, c'est pas poli. Voilà, tout ce qui est au niveau des salons, donc vraiment physique. Après, je participe pas à l'écriture ou autre chose. De temps en temps, je donne mon avis, mais je n'ai pas le talent de journaliste et la personne qui dit c'est moi qui écris tout ça tout seul, ce sera un menteur. Voilà, tout simplement. Donc, on est une grande. Nicolas. Ah non, non. On est une grande équipe et plus sérieusement, je passe la main à Christian. Oui, bonsoir à tous, merci d'être présent. Moi, c'est Christian, effectivement, je suis membre adhérent à MO5, donc l'asso qui œuvre pour la préservation du patrimoine numérique français. Donc j'ai ce plaisir. Bah voilà, je suis quasi personne. Donc, ah oui, à noter que c'est la suite hein, du premier live qu'on avait fait ensemble, hein, Nicolas, on a eu ce plaisir il y a une semaine et demie, puisqu'on avait vu ensemble le premier épisode. C'est moi qui t'avais fait jouer, entre guillemets, hein, au premier épisode la dernière fois. Et maintenant, moi, j'ai joué qu'une fois, hein, celui-là. Hein, donc, c'est plutôt toi qui vas me faire découvrir le jeu ce coup-ci. Et donc, ouais. On va peut-être commencer par le tutoriel. Hein, on va faire, c'est un jeu d'arcade à l'époque, donc... Ah, il appuie sur le bouton, comme ça on a rapidement le truc. Donc, pour jouer, on appuie sur A, ça dépend si on joue à la manette, en arcade ou autre chose. Donc, le bouton de tir, c'est comme sur Trooper 1, si on reste appuyé, on bloque la direction du tir et on peut se balader. Là, on ne fait plus de roulade, on saute, mais c'est toujours une esquive, c'est exactement la même chose. Il y a toujours la fameuse grenade ou super bombe, ça dépend comment on l'appelle. Ce n'est pas une nouveauté, on peut prendre des véhicules, on peut aussi prendre dans le 1. Donc, un petit truc sympa au niveau du véhicule, maintenant, il y a un tir chargé. Ça, c'est idiot, mais ça rend très, très agréable. Et après, il y a aussi la super attaque de sacrifice. Et enfin, là, c'était très rapide, on en a parlé en 2 secondes, c'est récupérer des lettres. Donc, on récupère des lettres, ouais. On obtient des mots, et ces mots, bing, du scoring. Donc, il y a tous les grands fanatiques sociopathes qui trouvent le jeu trop facile, qui disent, bah non, moi, ce que je veux faire, c'est du score. Bonne chance. Allez-y, les jeux sont ouverts. Je ne vais pas vous mentir, on va avoir énormément de mal à le finir. Enfin, les contenus sont infinis, heureusement. Mais voilà, je n'ose même pas imaginer combien de tas de pièces on ferait pour finir ce genre de jeu. Je vous laisse la surprise avec le fameux dernier boss, mais je ne cache rien. Dans tous les jeux d'arcade, le dernier boss, il est souvent terrible. Donc là, on va commencer par simplement expliquer ce qu'on voit. Donc arcade, c'est le vrai jeu arcade. Multijoueur, attention, il ne faut pas se faire avoir. C'est pour jouer avec un copain à l'autre bout du monde. Oui, parce qu'on joue sur le portage PC, effectivement. Voilà. Oui, c'était forcément le portage PC. Du fait des conditions, enfin bon, on va... Pardon. On ne va pas jouer sur arcade. C'est sympa, mais avec le confinement, 3 petits points. Bon, c'est un peu le réglage en particulier. Classement. C'est là où il y a les gens qui disent « Oh non, mais ton jeu, il est trop facile et qui essayent de faire du scoring. J'ai abandonné, c'est pas de mon niveau. » Et le quitter, c'est un grand classique. Donc, on va commencer par un petit arcade de juste un joueur. Comme ça, tu vas jouer tranquillement. Là, on va prendre rapidement free play normal. Ça, c'est simple. Hein, ça, je vais pas vous mentir. Voilà les persos. Donc là, il y en a que 4. Bah ouais, c'est beaucoup moins technique que le 1. Et on peut pas faire des... J'ai trouvé ça France. J'ai vraiment trouvé ça très très sympa, le coup des équipes dans le 1 que je connaissais pas. Donc là, il te reste que 6 secondes, s'il te plaît, Christian, choisis tranquillement. Tu as pris la jolie blonde. Donc c'est un personnage un peu prééquilibré. Après, ils ont tous des avantages. Mais quand on perdra des nombreux continus, on changera de perso et on vous montrera ça tranquillement. Donc on a le droit à des jolies incrustations en plein écran. Et là, ce qui est assez impressionnant, déjà,
adaptée graphiquement. Alors attention, on est en 99, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. 99 sur Neo Geo et l'année d'avant sur le système MVS, donc le système arcade. Alors, les cafés pour vulgariser un peu. Alors, je me permets de me familiariser un peu avec les commandes. Ça, effectivement, quand on maintient le tir, on reste. Le tir reste dans la direction initiale. Il y a le saut, effectivement, qui remplace la roulade. Je compare un au 1. Oh. Pas l'habitude de celui-ci. Et puis, ouais, effectivement, la grenade. Alors, juste, j'en profite pour les plus lubriques de nos. Des spectateurs, enfin de nos viewers, l'animation du personnage est un peu spéciale. j'irai pas plus loin. Charanoui de début d'époque. Et sinon, pour les sociopathes de points, ils doivent connaître l'astuce. Si on bouge pas, au bout d'un moment, le personnage fait une animation spéciale et bing, ça rapporte des points. Ah, et puis on voit sur le haut de l'écran, il y a. Voilà, bing. Et puis il y a une animation un peu rigolote de l'ennemi au-dessus, là, à côté du timer. Ouais, il est en train de bricoler, en train de réparer. C'est comme dans le 1, il y a quelques... apparemment, il y a quelques... Ah, il y a plein de clins d'œil. Tu vas découvrir ça tranquillement. Ouais. Même des ennemis qui fuient. Ce serait presque un jeu réel. Donc là, c'est vraiment la mise en bouche. Là, je vois... Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je reprendrai, on jouera très bientôt. Il y a quelques cinématiques. Là on est vraiment sur une sorte de pseudo 3D, pseudo profondeur, donc c'est particulier, mais attention, quand c'était sorti, j'ai eu la chance d'avoir joué à l'arcade dans les années 2010, parce que j'ai eu la borne à la maison, une borne classique avec la cartouche, c'était une chance extraordinaire que j'ai eue, et oui, on jouait à deux avec un copain, et ouais. On a passé du temps et du temps. Donc entre Kilo, là, il y a la personne avec son drapeau blanc qui fait me tirer pas dessus. On peut lui tirer dessus. Là, il y a une chance sur deux. Soit c'est un bonus, une sorte de jolie blonde qui apparaît. Soit c'est un malus avec une sorte de cyborg qui explose. Et ouais. Mais il y a plein de petits détails. Et là, alors là, je remarque qu'on peut prendre des véhicules, hein, ce qui n'était pas le cas dans. Alors il y avait des passages à moto, etc. Mais on pouvait pas rentrer. Comment dirais-je, en cours des niveaux sur des véhicules, quoi. Ça, s'il y a une petite spécificité, pardon, également par rapport au premier. Merde, je tiens. Vas-y, je te regarde jouer. Là, c'est pas du grand art. Hein. Ah, on s'en fout. Putain, si tu savais, laisse tomber. Les gens qui font du scoring sur ce genre de jeu, voilà, on sent qu'il y a des heures et des heures de. Il en faut pour tous les goûts. Donc il y a plusieurs armes différentes. Là il va récupérer une sorte de cercle magique. Tiens, il n'a même pas apparu, c'est bizarre, l'étude va apparaître, mais ça c'est pas grave. Que dire d'autre? Beaucoup de petites cinématiques, le jeu est long. Je le trouve vraiment long dans le bon sens, hein. C'est pas en 3 minutes on le finit. Merci. Au niveau du contrôle, on peut toujours shooter les ennemis au corps à corps. En appuyant juste sur le bouton, en spammant le bouton. Ouais, je vais essayer d'en avoir un comme ça pour illustrer ton propos. Voilà. Ouais. Là, j'en ai eu plusieurs. Mais... Oh oui. Et l'avantage, c'est que souvent, quand dans ces cas-là, ils donnent beaucoup plus souvent des bonus. Pareil. C'est comme dans le 1. Ouais. Voilà. Les personnes qui arrivent vraiment à retourner le jeu, ils passent leur temps à faire ça. Et alors, les lettres, c'est juste pour le scoring, c'est ça? Il n'y a pas de. Alors, sans de fait, patate de... Non. Ton perso s'appelle Angèle, ça c'est écrit dessus, et après il y a ARMS, ARMS, et là si tu as les 4 lettres, bing, banco, ça te rapporte des points. D'accord. Simplement. D'accord, donc on est vraiment plus orienté vers le scoring. Alors il y avait du score hein, en premier, mais okay. Pas aussi poussé, quoi. Je crois pas. Bah, c'est toutes les mécaniques où nous, néophytes, entre guillemets, on découvre pas ça, parce que nous, déjà, le plus grand espoir pour nous, c'est juste au moins de finir. En usant le moins possible de continu, quoi. Oui, ça a déjà pas mal de faire bonne figure. Voilà, c'est comme certains shmups, voilà. Les gens, non, pour eux, c'est faut pas le finir. Non, c'est trop facile, c'est faire ce score. Et bah, il en faut pour tous les goûts. Donc les boss sont toujours aussi impressionnants. Là, j'ai qu'une seule envie d'appuyer sur Start. On m'a dit que je touchais pas au bouton avant le premier niveau. Alors, un truc rigolo, c'est au niveau des bonus d'argent. On a vu qu'ils étaient en train de tourner. Donc, on a une sorte de vieille pièce en or
une sorte de médaille après des lingots. Et il rapporte plus ou moins de points. D'accord. Ah, très jolie image. Oh, oui, c'est un signe de bonne santé, on va dire. Effectivement, hein, c'est très mignon. C'est, oui. Voilà, et là, attention. Ah, ça, c'est intéressant. On a deux routes. On va commencer par la base aérienne et après, on fera le bateau. La base aérienne, c'est-à-dire, c'est ça? Non, non, ça, c'est nautique. Ouais. Naval, pardon. Airbase, simplement. Airbase, là où t'es. Ah, okay, c'est bon. Naval, Airbase, simplement. C'est pas grave. Donc là, attention, je vais appuyer sur Start. Je choisis mon personnage. Bah tiens, je vais les décrire, une fois que j'ai un peu de temps. Donc on commence par Léon, pour faire simple, il est lent, c'est vraiment un bourrin. Il tape vraiment plus fort que les autres. Il a une sorte de petit tir, enfin de tir classique. Et en même temps, il jette une sorte de grenade. Il fait une petite boule de déflagration. Et ça, oui, ça pique bien quand même. Ensuite, on a Angèle. Donc là, c'est le perso que Christian est en train de jouer. Assez équilibré, voilà. Après, ce qui est plus intéressant, c'est le troisième personnage. Je suis un vilain garçon, je connais plus son... Ah bah si, Lulu. Un timer, si jamais... Excuse-moi. Ah oui. Oh bah j'aurai la surprise. Ah bah ça sera Lulu, tiens, comme ça. J'explique mes dires. Donc là, la spécificité de Lulu, c'est qu'il tire pas fort, mais il tire en plusieurs directions. Ah ouais, et ça pour les vagues d'ennemis, c'est très 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 pratique. J'en profite, juste un truc, juste pour montrer que le jeu est quand même peaufiné dans les détails. Si je tire sur le cheval, ah bah non. Ah bah tout à l'heure il se cambrait lorsque je lui tirais dessus. Bon bref, c'est un petit détail marrant. Ah ouais. Se cabrait, pardon, pas cambrait. Non. Après, en défaut, parce qu'on va pas non plus dire que c'est le plus beau jeu du monde, hein, ce sera mentir, il y a malheureusement des ralentissements. Donc ça, c'était commun aussi à la version. Pour moi, je m'en rappelle encore. Oui, non, mais tu as raison. Tu as raison, Nicolas. Il y a effectivement, par rapport au 1, je note quelques ralentissements. Ouais. Alors, c'est pas seulement sur la version PC. Hein, attention, c'est pas seulement au niveau du portage. Il y a effectivement quelques ralentissements dans le jeu, dans la version originale, je veux dire. Ouais. Sur console Neo Geo. Alors tu me disais que c'était sans doute dû au graphisme un peu pré-rendu 3D. Oui, ouais, c'était révolutionnaire pour l'époque. Non, ça va pas. Le plus important, c'est que c'est quand même un très bon jeu. Les ralentissements sont anecdotiques. De mémoire, là, franchement, je fais travailler ma mémoire, parce qu'il y a 10 ans, c'est pas beau de dire. Pour moi, ça ralentissait à certains moments. Mais c'est vraiment... C'est 1, 2, 3. C'est pas ça du tout qui dérangeait le plaisir du jeu. C'est vraiment... un excellent défouloir. Il est beau, il est long, les musiques sont très très agréables. Voilà, là malheureusement je peux pas trop les entendre parce que sinon ça ferait un vilain retour dans votre micro. Mais vous qui avez la chance de nous regarder, vous avez aussi la musique et ça va être beaucoup plus sympa. Donc certains chars par contre sont complètement mal faits. Vous voyez, là, ce char, je me mets juste sur le côté et très facilement, j'esquive ses tirs. Oh, il y avait aussi un ennemi comme ça qui tire simplement tout droit dans le 1. Et pourtant, ça fait horriblement de dégâts, mais non, je comprends pas. Ah, vous voyez, là, c'est les points, j'ai les points bonus. Au niveau des... Ah, là, c'est le double missile. Bah, c'est une arme de bourrin. Voilà. Vous voyez ce que ça fait. Ça, c'est contre les véhicules, c'est fantastique. Oh, je joue comme une petite patate. On va dire que la journée a été longue. Ah bah oui, alors j'ai pris la plus mauvaise... Enfin, plus mauvaise arme, attention. Je sens déjà le lever de bouclier. Fait très très peu de dégâts, il suffit de la charger. Elle est plus diffuse. Hein. Et après, ça tire. Mais je trouve ça très très injouable. Ça c'est vraiment mon avis personnel de joueur. Voilà, je préfère vraiment... Ah oui. Vraiment le coup de la boule bleue, je suis pas du tout fan de ce bonus. Le lance-flamme est très très sympa, l'arme de base aussi. Après malheureusement j'ai pas pris mon perso, je sais, j'assume. Ah, petite esquive, réussi pour une fois. Les environnements sont vraiment beaux, les longs, dans le bon sens, mais là je me répète. Excusez-moi. Oh, j'ai fini un chat dans la gorge. J'espère qu'il passera. C'est discutable, hein, je trouve, le rendu. Alors, c'est pas moche, mais... Enfin, tu sais, moi,
la vision que j'ai, je compare toujours d'abord au 1, hein, parce que c'est celui que je connais le mieux à date. Et je préfère le 1. Alors, c'est peut-être une question d'habitude. Hein. Et puis c'est subjectif. Bah oui, bah, le plus important c'est qu'on s'amuse. On est tous sympa, ouais. Ah ouais. Ah je suis dit, ah je suis pas capable. J'avais putain, je t'en prends deux, t'en prends un. J'ai dit, je ferme les yeux, j'ai encore des très très bons souvenirs de jeux en arcade avec un pote. Mmh. La chance de l'avoir. C'est un genre de jeu effectivement qui est sympa à plusieurs. Ah, vraiment à deux, ça m'a. Donc attention, le vilain boss, ça qui a point de vie. Alors de temps en temps, on fait référence à la première, au premier live qu'on a fait avec avec Nicolas. Hein. N'hésitez pas. Après ce live, ou enfin voilà, si vous avez 5 minutes ce prochain jour, et si vous l'avez pas vu, à revoir le live justement qu'on avait fait sur le premier épisode. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution. L'évolution, ouais, effectivement, les quelques changements. Voilà, donc là je vais prendre mon perso, c'est Toy. Il a une sorte, il a un laser. Ce que j'adore surtout, c'est son super tir. Voilà, une sorte de dynamite au corps à corps, c'est monstrueux, ça fait énormément de dégâts. Je suis invulnérable en ce temps-là. C'est minable, ah ouais. Mais c'est vraiment très très pratique. Et comment tu fais la super attaque là, le super tir? Bah c'est la grenade. Ah la grenade, d'accord. Oui, effectivement. Simplement. Ah ouais. Sauf que la sienne c'est vraiment rigolo, et c'est la très peu de distance. Mais ça fait pas mal de dégâts. Ah bah tiens, il fera un pinceau malin. Et c'est vrai que c'était vraiment mon perso préféré quand je jouais à l'arcade. C'est marrant, le sweatshirt de ton perso, il a une tête de mort à la. On dirait à la t-shirt, c'est le personnage Marvel. Ouais. C'est vrai que dans le 1, il y avait pareil plein de clins d'œil à d'autres jeux, par exemple, ou au cinéma. Non, c'est vraiment. Moi, j'appelle ça, je me répète, mais j'appelle ça un jeu popcorn. C'est vraiment un jeu où on passe un bon moment et on s'amuse. C'est jouable, c'est ubuesque, là on est sur un train, techniquement on aurait déjà été jeté depuis longtemps, mais c'est beau. C'est vraiment du pop, hein. C'est de l'arcade, il y a de moins en moins de jeux comme ça malheureusement. Donc vraiment, on passe un moment détente. C'est plus tendance, malheureusement. Ah bah c'est une histoire de goût. Non mais c'est de faire un peu de cac. Donc moi au CAC je sors un taser carrément. Au CAC je traduis Nicolas, hein, c'est corps à corps si jamais. Oh là 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 là. Oh, c'est connu comme expression, ben là. Je sais pas, moi je connaissais pas. Ah bon? Pardon, CAC et corps à corps. Oh, pour moi. Ah. Je suis un vieux. C'est original ça ce niveau avec des rails de cambriolage de plusieurs voies de. Ouais ouais. De train de sur côté. Le défi bien pensé. Oh. Pardon? Le défilement est superbe pour l'époque, un défilement comme ça c'était pas mal. On sent bien la sensation de vitesse. Non mais c'est vachement sympa l'idée quoi, le concept du niveau. Voilà. J'ai pas souvenir d'un. Alors des niveaux sur des trains ça existe, mais je veux dire comme ça là dessus avec des voies sur les côtés, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça autre part. Bien sûr. Alors que dire d'autre? Bah jouez-y, oui c'est vrai, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Il est sur arcade, oui mais laissez tomber, c'est pas que je vais être méprisant, mais il coûte une fortune, il y aura toujours quelqu'un pour dire oui mais moi je l'ai. Bah, félicitations jeune homme ou madame ou mademoiselle. Voilà, sinon simplement sur PC, grâce à GOG, ils ont un catalogue entre autres. Il n'y a pas que GOG, mais bon c'est quand même agréable. Vraiment, ils ont plein de jeux. Si vous êtes fan de ce genre de petits jeux où on peut vraiment délirer avec les potes sans se prendre la tête et passer une super méga soirée, voire plus si on a d'autres personnes. Ah, enfin, oh là, il y a du monde. Et voilà, vraiment, ce jeu a plusieurs niveaux de profondeur. Un, le finir en évitant de mettre 400 pièces. Je sais, ça, c'est pas sérieux. Et après, il y a tout l'aspect scoring qui est malheureusement en dehors de ma portée. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, on essayait vraiment
de le finir sans consommer beaucoup trop de caféine continue, tout simplement. Et alors, ça, c'était pas... vraiment un passage. Pardon. Ouais. Alors, juste une petite précision, on peut pas sauter sur les trains à côté, on reste sur le. Non, sur le... pas changer de train. Alors, c'est vraiment. Ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment frénétique, on s'ennuie jamais. Ah, que... Pardon, hein, je refais référence au 1, mais c'est un peu pareil. Il y avait. Ok, je vais le prendre. Hop. Oh, comment c'est pas. Décidément, t'es abonné effectivement à l'arme que tu détestes, malheureusement. Oh, c'est pas grave, c'est de ma faute. Alors, tu disais donc que le jeu effectivement est porté. Sinon, il y a toujours moyen de demander un prêt à la banque parce que le jeu en AES, enfin la carte originale, c'est complète. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Ouais, ouais. Alors, à ma connaissance, c'est bien plus de 3000 euros. Hein. La cartouche originale ES. Après, je l'avais cité lors du premier live. Hein, je vous invite à revoir la rediffusion sur la chaîne YouTube MO5. J'avais parlé des différentes manières effectivement de jouer, que ce soit au premier épisode ou au second. Il y a notamment le premier truc qui vient à l'esprit, c'est les Neo Geo Mini, la version internationale, pardon, la Neo Geo Mini. Où vous avez les deux épisodes, parce que la version japonaise, je crois qu'il n'y a que le premier ou le second. Il faut faire attention, hein, parce qu'il y a différentes, il y a pas mal de versions Neo Geo Mini, et toutes les versions ne proposent pas les deux épisodes. Donc voilà, si jamais soyez vigilants. Il y a le Neo Geo Stick Arcade Pro, je crois que c'est ça, hein, c'est l'espèce de pavé de joystick blanc, une espèce de gros pavé. Qu'est-ce qu'on a encore bah sinon effectivement les plateformes en ligne GOG, Steam, etc. il y en a une pelletée. On reprend. Donc là on arrive sur des robots assez rigolos puisqu'ils n'ont pas de portée de tir. J'ai trouvé ça assez risible. Et après malheureusement ils se marient avec d'autres ennemis. Alors attends, on va faire un peu de ménage. Je joue mal. Du coup, Nicolas, toi, tu l'as connu à sa sortie le jeu ou c'était par après Ah non, je l'ai connu en 2010 quand j'ai eu la chance d'avoir une borne d'arcade. Ah oui, la... j'étais fou. Pourtant, en 2010, il y avait déjà d'autres bébêtes qui étaient sorties, mais non, on passait des. Et pourquoi, pourquoi ce jeu, pardon? Parce pourquoi que pas je le premier, par exemple. Parce que je l'ai pas eu. D'accord, non mais. C'est ce qui t'a fait. Ah non, c'est sa réputation, son... Ah non, non. J'ai par hasard. Voilà, par hasard. D'accord. Ah, un ouvrage de Pix & Love, je ne sais pas. Ah, c'était même pas encore sorti Pix & Love à l'époque. D'accord. Ah, quand j'ai eu la borne, c'était Pix & Love 2009, donc ouais, c'est juste avant l'apparition du premier. Tiens. Oh là. Oh là, le coup de vieux. Il parlait de Space Invader, le premier Pixel Love. D'accord. Des packs. Là, la pagination a bien évolué. Oui. Et c'est vrai que la première fois que on avait connu MO5, que Pixel Love avait connu MO5, c'était grâce au stand où, entre guillemets, ils avaient la gentillesse, voire la bonté, de nous prêter un petit bout de stand pour pouvoir vendre notre ouvrage. Voilà. Au singulier. Alors, on est des gars sympas chez MO5. Faut le souligner. Faut le répéter. Donc, on est arrivé là sur un train géant, forcément. Donc, tu t'en serais douté, Christian. Pardon. Ça va tirer partout. On a toujours la petite photo du boss pour dire attention, il faut tirer. Oui. Et ça, j'ai pas compris à quoi ça sert. Mais bon, ça fait très chou, hein, je trouve, que ce soit les boulettes, effectivement, l'introduction des boss. Ouais. Alors toi, malheureusement, toi, ton arme a très peu de portée. Effectivement, si je... Oh, genre. Ah, Je galère. Je suis mort. Ça va venir. Je suis content, allez, en direct, là, de... pareil, je suis en train de sourire, à mon avis, je ne peux pas me voir dans la caméra. Mais ouais, là, je crois, oui, j'ai plein de souvenirs qui remontent. Alors, donc, j'ai pris un personnage. Tu vois Léon, donc là il a un gros bois et là il a 1, 2, 3. Il y a des sortes de petites grenades, pas beaucoup de portée.
Ouais, ah, non plus. Ah oui, oui, entre autres, ouais. Ouais. Et alors, voilà. C'est drôle, parce qu'il est assez lent. Il m'a l'air bien puissant, mais pour le moment, c'est vrai que... Il est super lent. Et il a un petit côté... comment il s'appelle? Jean Reno dans Léon, justement. Alors, je sais pas si c'est un clin d'œil, mais... Il s'appelle Léon, à mon avis. Ouais. Léon, ouais, je sais. C'est sorti quand, Léon? C'est sorti en 94, je pense. 90, 91, on me souffle à l'oreillette. Ah, c'est gentil. Début 90, pardon. Si mon assistant pouvait me parler plus fort dans l'oreillette. Il est en train de me sortir des noms d'oiseaux. Ouais, je c'est pas grave, ça lui passera. Donc la chaîne ferme. Je dirais, hein, ça lui fera l'été. Allez, ça reparti. Encore un nouveau wagon. 94, bah j'avais raison, bah bravo. J'avais 14. Oh, ça tire de partout. Donc là, en plus, vous avez la chance d'avoir la musique complètement déchaînée. Ah ouais, elle est bien, la musique. Ah. Elle met dans l'ambiance. On joue comme des patates. Oui. Là, mon super tir ne sert à rien sur ce boss-là, malheureusement. Attends, fais voir le mien. Ah bah ouais, pire. Ah non, c'est ridicule. Ouais, peut-être que ça touche, toi. Peut-être que la fin de la flamme touche. Et bah voilà, il fera moins son malin. Ouais, mais après 10 morts, on va retourner chez vous. Le niveau est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, est vraiment original. Hein. Le fait d'avoir... Alors, les niveaux sur les trains, ça existe dans d'autres jeux, hein, mais comment dirais-je, le fait d'avoir les trains ennemis sur le côté, etc., c'est, pour moi, c'est assez inédit. Et je trouve ça plutôt, comment dirais-je, inventif comme concept. Ah non, le level design est bon. Là, on sent vraiment un vrai effet de profondeur, quoi. On voit vraiment l'effet de profondeur derrière. Non, vraiment, ça fait partie... Alors, déjà, il y a 2-3. Il y a l'effet Madeleine de Proust, je sais, c'est minable, mais efficace, tiens, laisse le véhicule. Il y a forcément l'effet Madeleine de Proust. Hop, un petit c'est rare comme bonus. Ah, je passerai pas cette mauvaise toux. Attendez, ah, ça c'est compliqué de parler de tir en même temps. Voilà. Non, il est aussi déconcentré le pot. Allez Christian, on se concentre, on essaye de parler en même temps, c'est comme... Tout à fait. Allez, on va se reconcentrer. Attendez, parce que moi je vise le high score, hein. C'est pour ça que je me faisais. Oh bah c'est en train de voir, ouais. T'as fait des pompes avant de jouer quand même? Okay. Bon, faut s'échauffer là. Non, c'est... Là encore, c'est ouais, jouable. Vas-y, parle, vous me coupez la parole, je sais pas. Non, je trouvais ça intéressant là le fait de pouvoir rentrer dans les véhicules. Bon, après le feeling, il est un peu particulier quoi avec les véhicules, comment dire. Alors c'est vrai qu'il y a le tir chargé, ça c'est intéressant. Il n'y a pas d'arme de, comment dirais-je, d'attaque spécifique autre que le tir normal avec les véhicules. Ah ouais, bah si t'as le carte on peut sortir en même temps, ouais c'est un peu à la méta stock. Tu peux sortir, tu peux aussi le sacrifier pour qu'il fonce vers l'ennemi. Ah oui, d'accord, et on fait ça comment? Que je montre ça au... C'est le bouton de tirer de spécial. D'accord. Tente. Non, j'y arrive pas. Ouais, bah nous on le faisait pas. Là. Ah non, j'y arrive pas. Et je le montre au tutoriel. Les trois boutons en même temps. Ouais. Trois boutons en même temps, tente. Je te laisserai le faire tout à l'heure. Ce sera intéressant, effectivement. Ah merde, j'ai la fameuse arme de. Un peu naze. Bah, les professionnels te diront que c'est grâce à ça que tu fais du high score. Nous, simple mortel. On atteint plus d'ennemis comme ça, d'accord. Et puis, moi, plus sans. Alors, je prends le star. Hop, parce qu'on peut les one shot avec le super tir. Allez, on se concentre, on
sortir. On va essayer de pas, enfin de le finir, oui, forcément, sans mettre la moitié du PIB de certains pays. Oh là là là. C'est quoi les R? Ah non, c'est les points, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Juste qu'il y a des ennemis partout. C'est pas évident de parler de jouer en même temps parce que il est assez frénétique comme jeu. Attends. Après, en astuce débile, c'est qu'on va reculer. Comme ça, on voit les tirs venir. Oui. Ah, c'est pour ça que je suis pris mon perso parce qu'il a énormément d'allonge. C'est vrai que ouais, Toy, c'était vraiment mon perso préféré. L'allonge, elle fait tout l'écran, quoi. Alors, je te laisse le lance-flamme. Ah, il est aussi puissant que dans le premier. Ouais. Pour les contre les petits humains, ça fait un massacre. J'ose même pas imaginer combien de personnes on a tué. Alors ça, c'est marrant, les personnages qui arrivent d'en haut, ça fait très premier, comme dans le premier épisode, tu sais quand. Bah oui. Par contre, la patte graphique est totalement différente. Ça. Ouais. Ça, on avait déjà parlé. Essayer de trouver une nouveauté. Là, ça, ouais, mais non, mais c'est juste que le comment dirais-je, le changement est tel que ça c'est. Ah ouais, le character design, ouais. Et ouais, et alors ce qui que je trouve dommage, alors effectivement c'est dans le titre du jeu, hein, c'est Gun Squad, mais c'est vrai que le premier aussi est très difficile. Donc on prend le temps de s'attacher aux personnages, il y en a 8. Dans le premier, hein, ils ont chacun leur fin, leur scénario, on va dire. Et donc, tu vois ce que je veux dire, tu prends le temps de t'attacher au personnage, il est très long. Et là, d'un coup, tu passes à d'autres personnages. Super, ils sont tous morts, on ne sait pas pourquoi. Un peu spécial comme choix, je trouve ça un peu. Ça ne. Comment dirais-je, ça n'empêche pas que le jeu est bien, hein, le second épisode auquel on est en train de jouer, mais je trouve le choix. La blonde qui revient. Bien, pardon. La blonde qui est dans, qui était aussi dans le 1. C'est pas le. Je crois qu'elle est pas. Non, tu crois que elle s'appelle Angel? Bah, je sais pas. Je crois que c'est un peu d'autres personnages, hein, que la blonde. Ah. Si notre assistant Régis pouvait regarder. Est-ce que le perso du 1 et du 2 sont le même, la blonde? La blonde, blonde, pardon, le personnage blond. Ouais. Bon, okay. On va pas la réponse ce soir. Opérateur. Alors l'opérateur, on va pas le présenter, ça serait vulgaire, ou plutôt intime. C'est quelqu'un de bien qui t'entend nous souffle des infos à l'oreillette. Disons, ouais, c'est un stagiaire. Bon, 94. J'ai pris sous mon aile. Tout ce que je sais, c'est qu'il a souvent la bonne réponse, qui est très agréable. Tout à fait. Très sympa. J'irai pas jusqu'à là. s'il te plaît. Alors le robot, il est assez sympa. Pas, puisqu'il est un super tir chargé et que je vais tu peux prendre peut-être le véhicule, ouais, pour montrer l'attaque dont tu parlais. Je suis une patate. Hop là, tir chargé, l'intention, un grand classique, fulgure au point. Non, c'est pas une blague. Ah, c'est marrant, ça. Ouais, ça fait des dégâts monstrueux. Non, le robot, ouais, ça vaut le coup de le prendre. Il fait vraiment beaucoup. Oui, il fait effectivement référence à, apparemment au méchant robot dans RoboCop. Ouais, du 209. Ah, merci. Je connais son matricule, mais je me soigne. Bien joué. Il a une petite forme de D209. Non, non, vraiment, il y a plein de clins d'œil, mais je suis en train de spammer comme un socio. Ça, c'est toujours intéressant dans les jeux, c'est de noter des petites références. Hop, on se concentre. Oh là, mon dieu. Ah oui, voilà, c'est le grand méchant qui a de l'argent. Ouais. C'est un jeu coco, mon ami. C'est toujours les mecs là qui ont des grandes sociétés. Donc le mec, il a protégé son building. Voilà. Ah oui, alors je. Comme dans la dernière fois, je peux essayer de résumer le synopsis, hein, qui est en deux phrases. Ouais, c'est ça. Et là, c'est un peu difficile de vous parce que je ne connais pas par cœur. C'est un peu difficile de jouer et de lire en même temps. Donc, c'est effectivement, on l'a vu, hein, Dio, c'est le nom du building. C'est aussi le nom de l'organisation de méchants. Alors, je vais en profiter. Qui est dirigé par un certain Nakatomi. Incroyable. Et qui menace l'ensemble des gouvernements du monde. Rien que ça.
Et donc, la seconde squad des Shock Troopers, épisode, intervient parce que cette organisation a carrément rayé une ville de la carte du monde. Ça rigole pas. Non, attends, oui, voilà. Comment dire, on arrive sur une sorte de tourelle avec un super laser magique. Attends, je vais reprendre l'angel. Il est vraiment magique. Donc, on va faire un truc minable, on va user ces super bombes. Heureusement qu'il y avait ralentissement, hein, si je peux te permettre. Ah ouais, non, mais la difficulté, rien là. Oh là 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 là. Je cherche même plus à tirer là. Ah non. Ah bah là, je suis en train d'user toutes mes bombes. Un grand casque. La musique est très techno, hein, par contre. Ah ouais. Année 90, oh la vache. Oh là 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 là. Ah, on l'a eu. Ah non, mais là, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Facile. Non, il est bien. Franchement, c'est une sorte de Madeleine de Proust. Bon, non, pas que, non. Non, effectivement, t'as raison, le jeu est super sympa. Et ah. je l'ai dit, on s'ennuie pas parce que ça pète de partout et ça en continue. Quoi. Donc là, on est dans le fameux immeuble. Il est grand. Il est très grand. Et bah, c'est un immeuble de jeux vidéo, quoi. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de votre propre expérience hein, dans le chat. Je m'adresse à ceux qui regardent, hein, bien sûr. Il faut faire quoi, là? Ah, d'accord, il y a une animation. Ah, tu remontes, une petite animation. C'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Voilà. Si vous connaissez des gens qui finissaient sur Arcade sans tricher, ou qui ont la cartouche, tiens. Donnez-leur... Ah, la cartouche, bonne chance. Ah oui, c'est vrai. Eux, les passionnés. Je sais qu'il était... Ouais. C'est dur à trouver. Ok. Ouais, ah, tu veux pas prendre un autre ascenseur? Ça aurait été marrant de voir s'il y avait... Ah, on peut pas. Ah, d'accord. Tu sais s'il y a un itinéraire alternatif là, si on aurait choisi un autre ascenseur? J'ai déjà à la grande époque, ça pour moi ça revenait au même. J'ai pas compris la subtilité. D'accord. Par contre je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais tu me disais qu'il y avait avant le live qu'il y avait un deuxième chemin, c'est ça, un deuxième itinéraire. Et on va le faire dès qu'on aura fini le jeu, ouais, si ouais. Le temps permet. Entre trois itinéraires différents dans la première épisode. Léger downgrade. Une fois par rapport au premier. Impuissant. Ah, c'est vraiment intense. Oh. Faire de partout. Donc, n'oubliez pas de laisser des commentaires, autre chose. Des questions. On aura une joie de vous essayer de vous répondre. Là, on est, vous êtes en train des de. Des compliments hein, sur notre sur nos skills. Voilà, ça vous donnerait. Bah, donc, ils ont pas de portée, eux. Ah, d'accord. Ça... Ah ouais. Et donc c'est risible ces ennemis. Alors, un truc qui est sympa à faire en termes de enfin, stratégie, oula, c'est un grand mot, c'est exemple le char, quand il se charge il a une puissance monstrueuse. Donc moi ce que je faisais à l'époque avec mon pote, c'est que tous les petits bonhommes, on les flinguait en sortant du véhicule. Et après quand il y avait les gros véhicules, on regardait le char pour plus tard. On peut très bien sortir du véhicule quand on veut. Ah oui, d'accord. Le fameux ascenseur qui arrive. La surprise. Des ennemis, quelle surprise. Hop là, après ça va être nous tout, on va pouvoir monter. Ouais, ça c'est le frein sauvage, voilà, entièrement raté. Allez, go, go, go. Oh, tu peux rentrer dedans. Pff, normal. C'était conçu pour que les robots rentrent. Alors là, un truc sympa, il y a les petits lasers sur le côté là qu'on a détruit très rapidement. Ouais. C'est idiot, mais si on fait pas gaffe, ça fait des dégâts. D'accord. On peut les dégommer. Hein, on les dégomme sans aucun problème. Mais ça fait partie des petits trucs à voir. Alors c'est vrai que là on se coordonne pas, mais dans ce genre de jeu c'est toujours sympa d'échanger on dirait tu sais quand il y a un boss ou ce genre de choses, tu t'occupes de tel ennemi, moi de tel côté de l'écran, etc. C'est vrai qu'on le fait pas, on joue chacun de notre côté.
j'ai pas le côté canapé, ça par contre ouais, je passe vraiment pour un ancien, mais vraiment le plaisir de jouer à côté d'un pote. Ah oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Le fait de taper son pote avec la manette, dire autre chose, se mettre devant l'écran, donner un petit coup de coude, c'est vraiment, voilà, on l'a tous vécu sur la plupart des consoles et des ordinateurs, ce qui est vraiment un plaisir fantastique. Là, malheureusement, on joue à écran interposé. Non, mais j'ai décidé de jouer le scoring, moi. J'ai envie de te battre. Ah ouais. Vas-y, vas-y, bonne chance. Je présente. Moi, je suis devant, là. Je suis content. Ah, peut-être. Alors, là, l'objectif, c'est de le finir. Out. Bon, ça sent le boss. Ouais, c'est clair. Il se tue. Allez, l'admiral Akbar. Hop, dans Star Wars, c'est un piège. D'accord. Mais, bah, n'hésite pas franchement... si t'as des trucs pour vaincre les boss. Peut-être que tu vois la manière de se positionner, les patterns, etc. N'hésite pas à nous passer des conseils. Peut toujours être pas le niveau. Ton expérience. Ah non. Ça c'est sympa la petite animation. Ouais. Là, après ils peuvent monter dans leur véhicule sinon. On va les détruire, on sait jamais, parce qu'il y aura peut-être un ennemi qui pourra les reprendre. D'accord. C'est-à-dire que les ennemis standards qui peuvent arriver, ils ont... Ouais, je crois que je me suis déjà fait avoir, ça m'avait marqué. D'accord. Ah, c'est peaufiné, quoi, c'est... D'accord. Attention, là. C'est de la mémoire, là, je sais pas si ma mémoire me joue pas des tours ou pas. Mais ça m'avait... De souvenir, ça m'avait un peu piqué. J'ai trouvé ça vicieux mais efficace. Mm-hmm. Droite, gauche. Allez, droite. Allez. Oh là. Ah oui, j'adore. Très beau. Il sait s'entourer. C'est le boss de fin ? Non. Ah, je dirais rien. Ah, d'accord. Non, parce qu'on dirait le grand méchant, c'est pour ça. Ah oui, mais tu fais attention derrière, en arrière-plan pendant la présentation. Vous voyez quelqu'un d'autre. D'accord. Ça fait très Goldorak, le coup du fauteuil qui part en marche arrière. C'est vrai, il y a plein de références, c'est fou. Ouais. Donc là, tranquille, regarde. Et on saute. Normal. Moi, dans le 1, non. Il sautait d'une falaise pour atterrir dans 15 cm d'eau, donc c'est pas nouveau. Là, c'est large. Mais là, il y a pas d'eau. C'est sympa l'animation là, du décor. Ah oui. À tous ceux qui nous regardent, qui sont épileptiques, s'il vous plaît, baissez l'humidité, parce que là, ça va pas être beau. Ah oui. D'accord. Ah, voilà. Ah oui, non mais... En direct. Oh, ça fera des vues, ouais. Ouais, quoi. Allez, je vais me sacrifier pour... Voilà, lui, il a une tête de vrai boss de fan. Ah, donc ce serait lui, le vrai méchant. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est original. Ah, c'est trash, hein. Il a battu. Là, tu peux commencer à t'échauffer. Il ressemble au... blondinet du premier épisode, ce serait possible qu'il y ait un twist Ah, je ne sais pas, je vais pas mentir. Ah non, ça va, je savais pas parce que j'avais pas fait le premier. Peut-être. Il y a un gars, je peux me souvenir, dans le premier, donc encore une fois, on peut revoir le premier épisode sur la chaîne MO5 sur YouTube, qui s'appelle Jackal, donc en référence au jeu Run and Gun de SNK dans les années 80, qui est notamment sur NES, etc., Famicom, et en arcade. Et je sais pas pourquoi ce méchant là il te fait penser. Alors ce serait marrant de voir, tu vois ce que je dis, un retournement de veste un personnage du premier, mais voilà, à confirmer. On verra. Peut-être qu'un jour Pixel Love parlera du Jack Trooper et là un de nos journalistes creusera, fouillera et aura plein d'anecdotes dessus. Voilà, si je peux donner des idées, n'hésitez pas. Pour faire simple, c'est une sorte de grand missile avec un champ tournant, enfin, comment dire, hop, oh, c'est le début, non mais regardez là, mais ça c'est même pas, là, on a des petits véhicules qui vont apparaître, des sortes de petites navettes, là, c'est magnifique, parce que là, c'est rien. Fin que tes grenades, s'il te plaît. Préconise un personnage rapide, hein, parce que... Ah ouais, d'accord, ça vient de tous les côtés. Hein. Ah,
Ça, c'est le début, ça, c'est l'échauffement. C'est le début, d'accord. Ah ouais. Il va y avoir des petites navettes qui vont apparaître. Il y en a, il est là. Ah, le petit vaisseau. Tu vois, il y a des petits trucs couverts. Je vois pas où il est. Là. Sur ta droite. D'accord, je vois là. D'accord. Voilà, tu vois ça. Son bœil, il est invulnérable. Enfin, j'ai jamais réussi à le détruire. Et il va tirer des petits lasers. Rebondissent. Ah, c'est bon ça. Voilà. Donc maintenant, c'est plus Shock Trooper, c'est Pong. Parce que le truc, ça rebondit. Donc ça rend dingue. Parce que là, il y en a qu'un. Ah tiens, il y en a un deuxième. Et tu vois, il tire vers et il rebondit. C'est bon ça. Ah oui, d'accord. Ah, d'un coup, tu viens de tirer. Faut rester en mouvement, quoi. Hein. Ok, c'est long. Ouais. Je me fais dissouder à chaque fois. Attends, je vais prendre Toy. Je vais prendre mon perso. Je vais faire une technique minable mais efficace. Voilà. Oui, je sais, c'est minable. Donc, dans le premier, il fallait abuser des roulades. Là, je préconise d'abuser des sauts. Parce que, c'est l'esquive. Regarde, tu vois, ils sont trois là. C'est horrible à esquiver ça. Il y a des bonnes idées, je parlais du niveau du train tout à l'heure, mais là effectivement les boulettes qui rebondissent sur le point de l'écran, enfin sur les bords de l'écran, c'est... Ah c'est terrible. Je vois pas d'autres pareil, d'autres shoots qui proposeraient ça, c'est marrant. Ah tu vois, regarde, je suis en train de sourire comme un idiot, parce que ça me rappelle tellement de souvenirs ce boss. Ah patate. Terrible, je suis désolé pour ceux qui nous regardent, je joue comme une merde. Pardon pour parler concrètement. Ouais. Allez, flingue tes bombes, t'en as 5. Allez, on va pleurer, on va sauver le monde. Après, on va voir la princesse. Ah non, il n'y a pas de princesse. Bon, c'est pas grave, on s'arrangera. Oh là, oh, c'est terrible. Parce que quand t'esquives, tu peux pas tirer, logique. Oui. Et les... on parlait des ralentissements, mais je vais vous dire un truc. Je suis content qu'il y ait des ralentissements parce que c'est... Et encore, on est en mode normal, hein, faut le rappeler. Oui. Mais effectivement, les boulettes qui rebondissent, putain, c'est pas évident. Oh la vache. Ah non, bah, je suis du diable. Je te l'avais dit pour le dernier boss. Ouais c'est... Jette tes bombes, s'il te plaît. Avant que tu meurs. Ah oui. Ouais, mais c'est trop tard. Mais il y a combien ? Là, il y a 5 vaisseaux. Non, mais pourquoi il y en a combien dans tes souvenirs ? Non, mais je sais plus. Mais là, on est à 5. Regarde, c'est noyé. C'est noyé de pierre qui rebondit. Tu fais comment pour esquiver ça ? Putain, je suis curieux du niveau hard, parce que là, effectivement, on est comme un normal. On fera ça, effectivement, tout à l'heure. S'il y en a un qui nous regarde et qui a le courage de prendre une feuille de papier, de faire un petit trait bleu à chaque fois qu'on meurt, ce sera... Enfin, ce sera pas... Non, je veux pas le savoir, moi, Nicolas. Je préfère rester dans mon utopie. Pour moi, je suis écrit, en incrédit, là. Ah oui, bah oui, au moins, ouais. Là, je dois attendre ce qu'il est. Pareil, hein, je continue ma comparaison par rapport au 1. Le fait d'améliorer son arsenal, ça n'était pas par contre dans le 1. Là, il y a un petit upgrade sympa. Hein. Alors, effectivement, tu avais des lance-flammes à prendre, tu vois ce que je dis, en bonus, comme arme secondaire. Mais tu pouvais pas améliorer ton arme de base. Par contre, tu avais des personnages qui... Ah, Yalta. Dans le 1, t'avais des personnages qui avaient chacun leurs défauts, leur petit plus par rapport aux autres. Et ça vaut, regarde ça. C'est bien fait. Ah, j'ai mal au dos. Pendant que notre assistant régie nous donne des indications salaces à l'oreille, bah, bravo. Super. Ah. Allez, je regarde la fin, ça se mérite. Ah ouais, quand même, hein. On a commencé... Ah oui. Alors, 72 heures après le coup d'État raté, le général Perichet meurt dans les flammes avec son ultime arme. Le cauchemar est fini, la mission est accomplie.
Oh, je l'ai traduit comme ça. Je suis pas très loin en anglais. Non, c'est ça. Et voilà, Shock Troopers, Second Squad. Alors, ce qui serait peut-être quand même intéressant, c'est de voir s'il y a des fins différentes selon les personnages, mais apparemment, t'as juste les chara-design. Je vais pas dévoiler, mais oui. Malheureusement, oui. T'as quoi? T'as juste ça, c'est ça? Oui. Ah oui, d'accord. Ouais, en Modarde, à la fin, elle fait une danse et elle te donne son numéro, ouais, c'est connu. Non, avec mes 10 ans ou autre chose, malheureusement, les enfants... Bah, l'arcade, c'était pas réputé pour les fins. Enfin, si, on voulait l'avoir, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on s'échauffe, on va essayer de faire en hard, on va essayer de mourir moins souvent sans aucun mauvais jeu de mots. Par contre, on va faire la route 2, ça c'est important de vous la montrer. Attention, oh là 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 là, stage destruction, close up, continue. Non, 7 et 6, c'est faux. oui, c'était en bas de l'écran, ça dure une demi-seconde. Donc, allez, c'est reparti pour arcade 2 joueurs. Là, on peut toujours reprendre, c'est ça qui est bien l'arcade. Hop, piano, piano. Difficile, il n'y a pas de niveau MVS. On va s'arrêter. On va aller sur difficile. Hein. Oui, c'est bien, c'est bien. Et puis on va faire un crédit, non je déconne. Oh bah, c'est 1, 5 ou après c'est des multiples de 10. T'as 5, 10, 20. Ah oui. Oui, triple S, c'est plus sûr. Parce que rien que 20, pourtant c'est une somme monstrueuse. Je vais s'imaginer 20 pièces à l'époque. Je suis désolé, je reste sur mon perso. Parce que je l'aime. J'aime bien le laser, il a néanmoins de portée. J'aime surtout son super tir. Parce qu'on est invulnérable pendant quelques secondes. Ah, intéressant. Ah, ce qui est un luxe. Hein, ah oui, c'est oui, non, c'est ça. Son dernier boss. C'est... Ah ouais. C'est... Moi j'ai pris la. Pardon, vas-y. Vas-y, un peu sur le. Moi j'ai pris la petite. Parce qu'elle a un tir plus difficile. Hein. Alors, voilà. C'est vrai que... Et c'est un luxe aussi. On va essayer de manger le niveau au premier niveau assez rapidement. Donc, que dire d'autre? C'est vraiment un jeu. Voilà, on est... Allez, on va essayer de le manger. On va manger le jeu. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Je vais tenter de bien jouer, de reprendre vraiment mes réflexes. Donc en truc de base, plus on est loin de l'ennemi, forcément plus on a le temps de voir ce qui tire. Allez, on y va. Bon, c'est un bon truc. Ah ouais, mais toi c'est pour ça que toi ton arme est diffuse, mais tu vas pas jusqu'au bout de l'écran. Non, non, allez, non, je non, prends non. Le tank. Ah ouais, pas cool. Allez, prends le tank. Ouais, je vais bien. Vas-y, vas-y. Alors, ah putain, je suis une patate. Voilà. Vous voyez. Là, ah, c'est. Oui, c'est quoi voilà. Ce truc? Ah merde, je suis allé dessus. Ah oui, je sais pas si les gens ont vu, mais. J'avais cette animation. Comment? C'est un ennemi avec un drapeau blanc. On le touche, et là, il y a une chance sur deux, soit le truc qui se transforme en une sorte de termite. Elle va exploser. Mon char est rouge parce qu'effectivement, j'ai pris trop de dégâts, décidément. C'est vraiment dur de parler en même temps. Alors tu disais Nicolas, il y a une petite subtilité, c'est ça, avec les ennemis qui agitent le drapeau blanc, c'est ça? Avec le drapeau blanc. Que ce soit des mechas, enfin des robots. Voilà, je peux dire des T-800. Hein. Ou soit une jolie blonde comme par magie, qui te donne un bonus de points. D'accord. Moi je suis obligé de rester près des ennemis parce qu'effectivement, comme on peut le voir, mon tir va pas jusqu'au bout, comme tu disais tout à l'heure. Mais par contre. Elle est super dif. Ah merde. Ah ouais, par contre la barre elle tient pas longtemps. Hein. C'est bon, en même temps on est en mode difficile. Attends, t'es en papier. Hein. Ouais. Ouais, c'était vrai aussi dans le 1. Au niveau de la barre, barre d'énergie. J'ai fait ça. Oh là là. Donc là l'idée c'est qu'effectivement quand on a une baisse d'énergie. Dans le jeu, faut essayer d'aller au corps à corps pour trouver des bonus. Ouais. Mais bon, c'est risqué. Alors, là, mes premières impressions sur le mode difficile, c'est que effectivement, les ennemis sont plus retors, il y a plus, sauf erreur, de boulettes.
Donc c'est plus dur, hein. Le chiffre, me direz-vous? Il y a un peu, oui, y a un peu plus d'ennemis, les boss qui payent plus leurs munitions. Parce que dans le, en mode normal, ouais, apparemment, voir, là, un exemple. C'était facturé. Alors que là, non. Pour ceux vraiment qui sont fans du bullet time ou autre chose. Enfin, du bullet time. Bullet shooter, Manic shooter, tu veux dire? Shooter. Mais ouais, il y a plein de trucs qui font penser à ça. Hein, le fait de pouvoir upgrader son arme, les patterns des tirs, par exemple, ça fait vraiment penser à. Ouais. Les ennemis sont un peu plus nombreux, mais ça c'est pas encore méchant. Et surtout les boss vont tirer beaucoup plus et font beaucoup plus de dégâts. Donc c'est vraiment le mode hard. Donc on a beaucoup moins de points. Putain, je joue bien. Je continue comme ça. Oh là là. Oh, je suis chaud. Boucha. Donc les ennemis tirent beaucoup plus. Ouais. Et surtout les boss. Et on est forcément beaucoup plus fragile. Mais ouais, on est vraiment sur. Ah, attends, là c'est important. C'est sympa, mais. Voilà. Donc, on avait les deux niveaux. On avait le premier qu'on a fait qui était l'air base. Et là, on va faire le deuxième chemin qui est la base navale. Après, malheureusement, ça arrive à la fin. Il y aura toujours le fameux immeuble. Mais là, on est. Ouais, parce que dans le premier, tu avais différents itinéraires, mais la fin, le dernier niveau, c'était le même, effectivement, quel que soit l'itinéraire choisi. Et par contre, là, on peut pas switcher entre les niveaux, hein, c'est ça? Non. Ouais, par rapport au premier, je veux dire. Pardon. Je vais prendre le véhicule parce que j'ai pas du tout d'énergie. Ouais. Oh, quel. Je le savais en plus qu'il était en face. Pff, quel patate. Ah, je prends le lance-flamme. Bon, Nicolas, sinon je crois que tu avais des choses intéressantes à nous dire sur ce que tu avais fait aujourd'hui, à savoir un montage de meubles. Que tu nous as oui. Non, je déconne. Là, c'est ma joke. Pendant les essais, on m'a demandé de travailler, donc j'ai raconté ma journée. Et oui, bah oui, on a chacun un métier différent. Et là, opérateur me dit qu'il faut que je change de sujet. Tu étais un aficionado, voilà, des salles d'arcade à l'époque. Surtout au Portugal. J'ai vraiment claqué tout mon argent de poche quand je partais en vacances. D'accord, vacances. Ah ouais, c'était quand même beaucoup moins cher qu'en France. Et c'est là que tu t'es dit un jour j'aurai ma borne, quel que ce soit le jeu. Oui. Ouais, d'accord. Premiers amours, bah ça a été KOF 94 ou 95. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'étais fou. King of Fighters, un jeu avec autant de persos, ça me. C'était beau, c'était jouable. Et ouais. Après, c'est vrai que ma première console, c'était. Oula mon dieu. C'était un Atari 2600. J'ai pas aimé. Parce qu'à l'époque, des potes avaient la NES. Donc, là, ça fait un sacré fossé technologique. Et ensuite, j'ai eu le ou la Game Boy, ça dépend comment on prononce. Et là, ah, je l'ai usé. Ah la pauvre. C'est. Jusqu'à la corde, je crois. Tu es. Ton système préféré, c'est la Neo Geo, c'est. Alors, j'ai adoré l'arcade. Neo Geo, pour vraiment les jeux de café, ou jeux d'arcade, c'est synonyme. Ça, c'était vraiment une époque que j'adore, et j'adore encore. Tu dis tant qu'un, pardon, vas-y, je peux essayer. Attends. Oh non! Attends, je fais le deuxième. Occupe-toi des. Oh non, mais c'est pas possible. Oh, je peux pas compter sur toi, apparemment. Oui, c'est ça, ouais. Bonne réponse du capitaine. Attends que le confinement soit. Hein, le score l'illustre, hein, d'ailleurs. Ah oui, d'accord, faut pas te. Ah, vas-y, chope le mec. Ah oui, pardon, je te laisse. Mais c'est parce que je te pose plein de questions, c'est pour ça que tu. Ah, mais il faut.
Ah, c'est horrible. Tu fais tout pour te nuire. Ah ouais, tu me déconcentres, ça marche bien. Bien joué. Tu me disais, du coup, c'est pardon, donc, c'est surtout les jeux de café, comme tu disais, les jeux d'arcade, ouais. Hein, ton truc. Ouais, jeux d'arcade. D'accord. J'ai eu ma période shoot them up ou shmup au choix sur ma drive avec Thunder Force 3 et 4. J'avais, D'accord. Ah oui, les fameux. Ouais. Ah ouais. Fantastique, ces jeux-là. On s'en parle. Ouais. Dans le cap, nouveau niveau, on arrive sur les bateaux. Donc je te laisse imaginer que forcément on va devoir affronter une sorte de porte-avions ou de super croiseur normal. Quoi. Deux hommes contre ce genre de véhicule. Ce qui est intéressant, c'est le niveau, comment il est fait. C'est des grues là qui lâchent des caisses. Je sais pas si on l'a bien vu. Il fallait aussi se méfier de certains éléments du décor. Je suis pas sûr qu'il y ait un passage comme ça dans le 1. D'ailleurs. Par la vie. Hein. Merci, c'est sympa parce que je galère. donc quand je parlais du fait de se méfier de certains éléments du corps, juste à l'instant on avait par exemple les caisses qui tombaient de la grue. Hein. Tout à l'heure, dans l'autre itinéraire à la fin, dans le building, on avait par exemple les lasers hein, qui étaient accrochés au mur, qu'il fallait éviter. Une espèce de détecteur de mouvement. Allez, attention, on y va, là on va sur un boss. Donc on... c'est une nouvelle route, donc là c'est tout nouveau, c'est un nouveau bot parce que c'est la nouvelle route. Donc on est sur des aéros 1, 2, 3, sur des aéros. Ça change quelque chose ? Non, ça change rien, sauf qu'on va mourir encore plus vite que d'habitude. Donc pareil, utilise toutes tes super bombes, c'est minable mais efficace. Ah si, les personnages sont moins maniables, ils sont plus lents. Là la musique est assez rythmée. Oh, ouais, c'est une super bombe, je vais aller au cac pour essayer de la flinguer avant qu'il s'en aille. Ah, mais je trouve que le jeu il fait vraiment plus shmup comme tu disais tout à l'heure que run and gun. Je sais pas comment illustrer cette impression, ça... mais c'est les boulettes qui font très shmup, le feeling. Là c'est mignon ce que je fais, je suis invulnérable pendant quelques pouillèmes. Ouais, tandis que moi c'est moins ouais. Ah ouais, toi tu l'as pas. Selon toi, ton personnage qui s'appelle Toy est le meilleur personnage, c'est ça, du jeu? Non, pour moi, attention, ça c'est mon avis personnel. Oui, oui, pour toi, mais c'est celui que tu conseillerais pour commencer, peut-être? Bah, il tire loin, enfin ton perso aussi, mais j'adore le coup de la bombe au corps à corps. Loin, et j'imagine que comme tous les lasers dans les jeux vidéo, ils tuent plusieurs ennemis en même temps, peut-être. Ouais, j'ai fait des grandes lignes. Oui, c'est pas mal. Faut toujours une pause lascive hein, du mon personnage. Pas du tout. Alors, c'est marrant quand on manque d'énergie, les personnages ont une animation particulière. Je crois que c'était le cas dans le 1 aussi. Ouais, dans le 1 aussi, il y avait ça. Bon, c'était un grand. Que le personnage manque de souffle, quoi. Enfin, il essaie de récupérer son souffle. Il est un peu exténué, voilà, on le voit là. les deux en même temps. Attends. Non, on peut pas les shooter. Il y a toujours le pauvre petit mec qui indique la manœuvre. Enfin, pareil, cette pas malin. Là elle est pratiquement telle quelle dans le 1. Ah. Et là, on arrive encore sur un niveau qu'on n'a pas fait. Parce que ça, c'est la route 2. Au niveau des environnements, on est quand même très urbain, hein. C'est quand même gris, tous les décors, il n'y a pas de jungle, je ne comprends pas hein, tout ça. De jungle, non. Tu sais, de désert comme dans le premier. Ah non, là c'est là, beaucoup de vide, beaucoup d'urbain. Ouais. Bon, si je peux me permettre un petit grief, c'est que justement c'est très gris, quoi. C'est moins diversifié que dans le 1. Hostile tabernacle. Oh ping. Ça c'était du cubain. Je ne traduirai pas. Allez, on essaye de se concentrer. Allez, on y va. Oui, normal. Juste une petite déflagration. Regarde, même pas mal. On se relève. Hop là, le scrolling il change. On va rendre dans tous les sens, ça c'est très très agréable. Pareil, ça c'est très rafraîchissant, là maintenant on doit aller vers le bas.
tu as changement du défilement gauche-droite, as, ça. Ouais, ouais, t'as vu Nicolas et. Allez, ils ont abattu des otages. Enfin, des otages, ils ont abattu des civils, ce qui était vraiment minable. Mais je rappelle que c'est qu'un jeu. Allez, on y va, on lâche rien. Oh là là, c'est horrible. Le jeu est dur. Bah là, oui. Oh, le premier aussi, mais il l'est aussi, celui-ci. Hein. Ce n'est plus. Ah bah, c'est de l'arcane. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Nicolas. Moi, je trouve peut-être légèrement plus dur que le premier. Dans le sens où le premier était tout aussi, était également très dur, hein, c'est de l'arcade. Mais celui-ci, ça me fait vraiment penser, c'est des fois un manic shooter, hein, c'est-à-dire que l'écran est rempli de boulettes. De bonhommes, et ça te cible. Ouais. Ah ouais, là ça te fait de partout, machin. T'as, regarde, on a le bonhomme et là t'en sors. Ouais, ça y se transforme. Ah non, c'est bon, d'accord. Ah ouais, il y a une chance sur deux. Là je vais prendre le power. Ah, je joue à peu près bien. Et aussi, je crois qu'il y a vraiment le centre du personnage qui, comment dirais-je, comme dans les shoots, les manic shooters, justement, souvent, t'as pas l'entièreté du vaisseau qui est atteint par les tirs ennemis, mais vraiment le cœur du personnage. Ah, la hitbox est assez courte. Ouais, là, voilà. À l'époque, j'avais jamais fait gaffe. Nous on jouait tout simplement. Hein. Je vais essayer de le démontrer, mais pour moi, non. Oh putain, j'ai pris la mauvaise arme. Bon, alors ça sert aussi de bouclier. Hein, mais pas contre les tirs. Donc, je sais pas du tout à quoi ça sert. Bah, ça permet de toucher les ennemis, quoi. Donc là, ça tire de partout. Ouais. Et je suis une toute patate. Parce que j'ai la chance d'être invulnérable pendant un demi-couillem. Donc là, il y avait une mec qui était en train de manger. Normal. Bon, au sol, forcément, t'as deviné ce que c'était, c'est des mines. Hein. Ouais. Tous les jeux, il y a des mines, un grand classique. Alors, logiquement, les mines, on n'est pas censé trop les voir. Prends le. Non. Comme ça, je suis à fond aussi. Oh là, ça tire de partout. Waouh. Oh là là. Alors, je précise vraiment les continues sont vraiment les ralentissements sont vraiment les bienvenus. Que c'est frénétique. Ça fait le charme du jeu, hein, tu me diras, mais limite de rien. Une petite animation sympa, ce matin il y a certains ennemis qui viennent carrément se sacrifier. Ils dégoupillent une grenade, ils courent sur nous. Ah, c'est marrant, d'accord. Ah, là, bing. Ah, mais ça va tellement vite. Je sais pas si je l'ai dit, mais avec le temps qu'on peut, enfin avec les véhicules, on peut écraser aussi les ennemis. C'est une stratégie. Waouh, comment je vais faire pour éviter ça, moi? Ah bah le char, non, il est en caisse. Hein. Là, je te laisse prendre ça, là. Bon. Alors, le rocket launcher, lance-missile, là, que tu as pris, il est puissant, mais par contre, les salves sont assez sporadiques. Donc. Ça fait mal. Bah, en plus, ça, c'est déjà fini. Ça dure pas longtemps. Allez, je vais essayer de choper les trois lettres. Là, c'est bi. Compliqué. Alors je rappelle que les lettres donnent juste des points, ça s'appelle du bonus. Mais je le répète, sur du scoring. Ah, c'est du scoring, mais c'est pas de mon niveau, moi j'assume. Et les fans de scoring prendront beaucoup de plaisir à essayer d'avoir leur nom dans le top 20. T'as encore un ennemi, encore un Terminator. Et on sent rien les tuer, ils explosent tout seuls, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bien. J'ai fait le choix de prendre l'arme trop tard. Ouais, vas-y. Là, tu vois, à l'arrière, tu vois? Ça a été super rapide, l'ennemi à gauche. Ah, un guet-apens. Et là, on va devoir défendre les civils. Allez, on l'a pas vu tout à l'heure. Hein. Donc, il y a un changement aussi de boss. Hein. On est d'accord en plus du. Parce que dans le 1, il y a certains ennemis, certains boss étaient recyclés entre les itinéraires. Ah ouais. Ah non, c'est vraiment une route 2, quoi. Ça fait plaisir. Ouais. Un nouveau chemin. Attention, nouveau boss. Oh, celui-là, il est terrible en plus.
ceux qui connaissent le 1 seront pas en tous les cas dépaysés par, par les commandes. Grenade, ouais, c'est le même. Tir et comment on dit, parade, esquive, pardon. Ah, ouais. Tes grenades. Ouais, si tu fais. Minable. On va se régaler. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour faire simple, il faut rester au milieu de l'écran, sauter au bon moment. D'accord. Et prier. Voilà, prier le ciel, c'est aucun mauvais jeu de mots. Et en plus, ils font des dégâts de touche. Ils peuvent se faire écraser. Et ils en profitent, hein. Ils vont nous foncer dessus. Il faut vraiment connaître les patterns, hein, parce que je vois pas comment tu peux t'en sortir autrement. Va être loin. Ah, regarde, là ils vont se rapprocher. Ah, tu vois, c'est terrible. Ils en profitent pour après pour nous écraser. Oui, oui, je vois ça. Ah, sur une safe space. Ça va pas durer longtemps. Je peux même pas lancer de grenade, puisque c'est... c'est pas évident. Là, tu vois, j'étais censé être invulnérable et pourtant je me suis quand même pris des dégâts. Waouh. Allez. Oh, j'ai dû mourir 10 fois là, dans ce passage. Allez. Ah, j'ai plus d'armes. T'as tes grenades, s'il te plaît. Ouais, je fais ce que je peux, Nicolas. Ah ouais, mais tu me fais mal. Voilà. Ah oui, je suis drôle. Allez, Oh là là. Allez, terminé dessus. Je pense que c'est lui qui a rayé ta bagnole. Oh merde, ah, j'ai cru que c'était fini. Oh la vache. Oh putain, j'ai vu. Comme une... Ah, pinga. Bien joué. Allez, fans de shoot et de... ou de... et de run and gun, là, les... Enfin, bah, ils se régalent. Les deux genres, bah, ouais. Tu l'as dit, ils vont se régaler, ouais, c'est bien. Donc on se parle d'un jeu qui est sorti en 98 sur le système MVS, hein, le système arcade de SNK. Puis en 99 sur AES, donc sur la console Neo Geo. Console de salon, tout simplement. Console de salon, effectivement. Et là, on se fait une partie avec Nicolas de portage un PC. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, le portage est fait par Dotemu, hein, connu pour les portages de jeux rétro, enfin old school, si on peut dire. Strip of Windjammers, pardon. Oui, c'est ça. Strip of Rage 4, moi, ça, c'est un développement, un jeu. Là, on est au dernier niveau, je crois. Putain, on a repris la même route. Alors, regarde, ils tirent beaucoup plus, les ennemis. Regarde le char, avant, ils tiraient pas autant. Des petites magiques. Je trouvais déjà le jeu pas évident en mode normal, mais alors là... On est des grands malades. Allez, on se concentre, on va le finir, on va le manger. Un power-up, là. Ah, bah, il faut. Les W, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est pour upgrader, c'est... Non, c'est quoi les W là, les icônes T'as une arme particulière, tu reprends de la barre d'énergie pour cette arme. Ah d'accord. Exemple lance la main. Attention, allez, on se concentre. Oh putain, il a voulu se faire. Oh non. Je te fais des power up, hein. Ah oui, Ah d'accord, tu m'as même pas laissé un. Hein. Non. Oh, je joue en équipe. Je sais pas. C'est pas répondre effectivement, t'es au courant que j'ai ton adresse. Ah oui merde. Aïe. Dame Ned, ouais. Ouais. Oh là 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 là. T'as l'air terrorisé. Donc heureusement qu'il n'y a pas de Fatifier dans le jeu sera jouable. Oh ça imagine là. Imagine le même on peut se toucher. Attends, vas-y, touche. Ah mais quelle patate. Oui, pardon.
Pas possible. C'est pas possible. Tu dis c'est déjà assez. Non, t'as au moins 5 secondes. D'accord. Ah non, t'as un peu de temps. On va s'occuper de celui-là à ta droite. D'accord. Bon. Alors, je voudrais juste mentionner un truc, Nicolas. C'est il y avait des rumeurs fin des années 99 sur un troisième épisode. Ah ouais. Mais comme tu sais, il est jamais. Il est pas sorti. Jamais sorti. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le studio dont je parlais lors de notre premier live, hein, son premier épisode, il s'appelle Saurus, le développeur, très très proche de SNK. Okay. J'avais expliqué un peu la situation pendant le premier live, bref. Donc le studio a fermé début des années 2000. Début 2000, pardon. Je t'explique que le concept du troisième épisode est mort avec le studio. Quoi. Ah oui, logique. Saurus a, voilà, fin 99, début 2000, a continué par quelques portages. Pardon ? Oui, je vais prendre le temps. Ouais, je vais juste terminer sur Saurus pour finir la clé la boucle, hein, comme dit. Des portages sur Neo Geo Pocket pour le compte de SNK. Donc il y a eu Samurai Shodown, j'en avais parlé la dernière fois, hein. Last Blade sur Neo Geo Pocket. Et après, plus rien, plus de traces du studio qui était déjà très très confidentiel avant ça. Okay. Ça restera quand même un studio, ma foi, intéressant, rien que pour les deux Shock Troopers, pour Ironclad, pardon, pour Ninja, pour ceux qui sont sur la version japonaise. Donc il y a un shmup. Sort. Alors, oui, parce que si effectivement le tank explose et qu'on est encore à l'intérieur, c'est comme dans Metal Slug, ça nous enlève de la part de l'énergie. On jouerait bien, hein. Continue de parler pour voir. Pardon ? On jouerait bien, là, continue de parler, ça nous concentre. Ah, on n'est pas mort, là, c'est un miracle. Ah, je suis pas loin, là. J'ai beaucoup d'énergie. Ah. Non, ça fait presque deux minutes. Pardon. Vas-y, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Certaines boulettes, tu vois, celle du tank par exemple qui grossit comme ça. Ouais. On avait vu là dans le dernier niveau tout à l'heure les fusils, celles qui rebondissent. Enfin, je trouve que ça fourmille l'idée originale. Ah ouais. Bah, celles qui rebondissent, c'est les pires. Ouais, c'est clair. Mais c'est tellement, quand tu connais le truc, c'est tellement. Marrant à éviter. Ah ouais, c'est super drôle, quoi. J'aimerais bien passer des passes de soirée. Non mais c'est Mazo ton... Oh putain, merde, je parle et je me fais toucher comme une patate. Alors là, on a plusieurs vies. Et je suis pas sûr que ce soit, si ma mémoire est bonne, que ce soit le cas dans le premier. Tu sais, on avait une barre d'énergie, et puis c'est plus quoi, faut les gérer. Dans le premier. Je sais. Alors que là, on a deux vies, apparemment. Bah, trois vies, pardon. Ah, voilà. Et voilà, une jolie blonde. Tac. Qu'est-ce que je joue mal. Ah bah, attendez, là je suis en train de essayer de reprendre les anciens réflexes. Mais voilà, ouais, est-ce que cette partie reflète un peu ton expérience de l'époque? Est-ce que ça te ravit des souvenirs? Ah non, mais là j'ai une manette, ça n'a rien à voir, puis j'ai pas la même hauteur, c'est des excuses de ça. Ah bien sûr que l'ambiance est super, c'est ouais. Vraiment un jeu plaisir, on n'en fait plus des jeux comme ça malheureusement, ou on en fait peu ou très peu. Vraiment des jeux jouables, où on ouais, met pas... Ça se prend rapidement en main quoi, tu veux dire. On met pas 3 jours à comprendre ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire. Ah ouais, c'est vrai. Donc bon, c'est vrai que pour une expérience optimale, le mieux, Nicolas, hein, je pense que tu seras d'accord, c'est l'utilisation d'un stick arcade. Ah, si on peut le faire, oui, forcément. Non mais sur PC, il y en a plein qui existent, hein, qui sont compatibles. Oh, oui. Ouais, mais le fait déjà d'être debout sur la borne
à 40 cm de l'écran. C'est un plaisir d'enfant. C'est surtout un rêve de gosse en plus. Il faut être bon joueur. On a tous rêvé d'avoir ça chez soi. Et c'est vraiment des conditions fantastiques. C'est sûr, c'est sûr. Quitte à avoir jouer mal. À deux sur la borne, que ce soit celle d'origine ou non, c'est vrai que c'est un plus. Je peux pas dire le contraire. Néanmoins, pour les. Enfin. Moi, les besoins du live, et encore une fois, du contexte, on peut pas jouer dans des conditions, mais même avec une manette, là, jouer avec une manette PlayStation 4 sur PC, franchement, le jeu reste agréable. Il vaut largement le détour. Oui, bien sûr qu'il est jouable, mais il y a vraiment cette chance. Bah, tiens, le fameux immeuble blindé où personne ne rentre. Non, vraiment, l'aspect arcade, c'est ça, c'est à 40 cm de l'écran. Jouer debout, ça n'a rien à voir en termes de confort. Et après, c'est vrai que le stick a vraiment une grande, grande jouabilité. Parce qu'il y a plusieurs façons de le tenir. Mais là, je vais pas. Je sens que si on ouvre le débat, ça risquerait de durer 3 jours. Alors, attendez, je flingue toutes mes bombes. Je vais essayer de me concentrer. Oh, putain, ça tire de partout. Donc, toi, tu préconises effectivement de jouer par exemple sur le matos d'origine avec un stick, hein, c'est ça pour une expérience de combat. Moi, je pense que bon, le jeu vaut le détour, même avec une manette, un bon portage PC, qui reflète bien le jeu. Je pense que ça vaut largement. Si tu utilises tes bombes au lieu de parler, s'il te plaît, merci. on est en plein débat là. Ouais, bah débat joue, si tu peux pas te faire deux choses en même temps, t'as un truc à faire. Hein, je parle à ma adresse, ouais, cher viewers, Nicolas est dedans, là. Il a complètement oublié. Bien sûr, je suis. Ah, tu peux pas faire semblant. C'est tout tabernacle. C'est dire si je vais prenant. Là, regarde. Je fais un truc intelligent, tu vois. Bah, avant que je meure, hein, j'utilise toutes mes bombes, parce que je suis un bon garçon. T'arrêtes, je sais, mais la bombe, son arme, c'est de lancer des grenades à même pas un mètre. Blablabla, excuse de ça, blablabla. Je ne te permets pas, Nicolas. Je ne te permets pas. Je me permets. Oh putain, alors ça, c'est le coup du laser. Franchement, s'il y en a qui est. Enfin, forcément, quelqu'un qui est meilleur que moi, mais comment on fait pour l'esquiver? Ça fait te prendre la vie. Hop. Parce que le coup du laser. Tu l'avais fini en mode normal, c'est-à-dire sans continu infini, à l'époque? Non. Très dur. C'est un jeu plaisir. Le but, c'est t'invites un pote, tu prends une bière ou un café ou un thé, ça dépend, ou un verre d'eau, c'est très bien aussi. Oui, quelques boissons au choix. Voilà. Et vraiment, je dis, tiens, je vais te montrer ça. Et là, c'est parti, on restait 50 minutes. 50 minutes. Tant que t'as pas vu la fin, tu continues. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Il n'y a plus de jeux comme ça, malheureusement. Parce que maintenant, les jeux sont beaucoup trop longs, je sais, c'est pas bien de dire ça. Il y a beaucoup moins de plaisir cette année. Oui, il en faut pour tout le monde, mais on va dire que là, on parle d'un genre assez particulier. Hein. C'est vrai que les jeux d'arcade, c'est en général un plaisir instantané de jeu. Ah oui. Et ça se perd un peu. On arrive sur l'immeuble le mieux protégé au monde, à mon avis. Il y a quand même un sacré foutoir là-dedans. Oh putain! Ça fait du bien. C'est marrant d'avoir mis une barre d'énergie, sachant que 2-3 coups tu te fais. Pardon? Non, je l'ai allé au milieu, mais les passages sont les mêmes. Alors, c'est marrant d'avoir mis une barre de vie où tu t'attends à avoir. Tu vois, pas mal de résistance au niveau de ton personnage. Ça vient de me faire toucher. Alors qu'en 2-3 coups, en général, ton personnage meurt. Il devrait peut-être lui mettre, je trouve, c'est mon avis personnel, des points de vie. Là, on aura plus compris. Ouah, ça reste qu'une barre. Tant que c'est lisible. C'est lisible. Non, ça fait alors, le seul truc, c'est qu'il faut avoir l'habitude des tirer amis, parce que tu vois, le tien, je connais pas forcément. Ils ont réussi à monter dans le véhicule. Oui. Par rapport au niveau au premier heure.
Alors faut s'éloigner là. Ah, t'as raison, c'est... Donc ta stratégie de l'époque c'était d'épargner, c'est ça, les véhicules maximum. Les véhicules qu'on peut utiliser. Ah, et bah, les garder pour les boss. Ouais, ouais, enfin les gros véhicules, les, pour les chars ou autre chose. Ah, vas-y, prends le véhicule. Prendre, là, vu que t'as plus beaucoup d'énergie. Ah, ouais, je suis pas un. K.O. Oh, patate. Oh, pourtant, ouais. Je savais qu'il y avait une tourelle sur le côté. Voilà, parce que c'est dur. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir, hein. Parce qu'il était pas dans l'écran. Vous pouvez tirer, mais vous pouvez pas le toucher. Alors restez jusqu'à la fin du live, parce qu'on vous dévoilera en primeur le programme là, de cette semaine, au niveau des lives MO5 pour la chaîne, sur notre chaîne Twitch. Il y a une surprise. Il y a une surprise, vous allez voir, ça va être assez, assez marrant là, au niveau du programme, et on a des invités, c'est pas rien. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin. Avec notamment un live dimanche là qui va piquer des hannetons. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler d'hannetons. Oh, piquer des hannetons. Ouais, je suis en pause. J'ai envie de remettre la un retour en arrière. Ah non, mais qu'est-ce que t'arrives? T'as besoin d'amour? Franchement, de toi, moi, non, piquer des hannetons. J'ai besoin de quoi, pardon? T'as besoin d'amour pour sortir une phrase pareille? Oui, oui, je crois que c'est ça. Je crois que ça traduit un certain manque d'amour. Ouais, alors pendant que je vais vous dire un truc, je vais dévoiler les coulisses de l'émission. J'ai mon régisseur là qui se transforme en coach de vie en direct. Alors, je vais prendre le plus sérieusement. On va gagner, on va finir ce niveau. Alors, non, éloigne-toi, mais toujours pas. Non, mais ouais, j'aime le risque. Oui, non, mais il n'y a pas du risque à ce niveau-là, c'est de la folie. Oh putain, et moi qui parle, là, je suis une patate. Allez, on se reconcentre. Ouais, j'en ai marre, t'as gagné. Voilà, il n'y a que ça qui comprenne la violence. Et on prend les power-up. Ah, je veux bien. Ah oui, c'est vrai que t'as plus beaucoup de... Ah, même, je suis à fond, moi. Et moi, j'ai plus de vie. Attention, l'ascenseur, tu sais ce qui va se passer, il y a toujours des ennemis dedans, comme par magie. Je vais essayer de les avoir au corps à corps pour avoir des bonus. Voilà. Ah bah non. Ok. Là, c'est des pièces. Allez, on monte dans l'ascenseur. Allez, on se concentre, c'est la fin. Ah non. Putain, c'est jamais la fin. Allez, on revient sur les lasers sur les côtés. On connaît ça. On occupe. Allez, on y va. J'espère que vous ressentez comme nous la tension. Allez, hop, ça, oh, putain, allez, pinga. Tiens, tu vois, il y en a un qui a voulu se sacrifier. Bien joué. Allez, prends le robot. Et pour eux, je vais aller au CAC. Leur bouclier, ça renvoie les tirs. Ah, c'est pareil, les soldats avec les boucliers, ça fait penser à Metal Slug aussi. Ouais, ça, tout le monde reprend sur tout le monde. Hop. Allez, go, on prend l'ascenseur, je crois que c'est le dernier. Oui. Sa petite scénette où tu crois que c'est le boss final et en fait, un petit twist. Blablabla. En plus, il fume. Bah, c'est pas bien de fumer. Ah non. Il fumait, les méchants à l'époque, ils fumaient. Pour ça, ils étaient méchants.
Oh, Goldorak. Putain, on l'a tellement mangé, ça, notre enfance. C'est vrai. Ah, attention. Et là, il avait mis du C4 sur son bureau. Poum, bureau magique. Le truc, il est en bois, il explose. C'est du bois explosif. C'est très, très rare, ça. Allez, c'est parti. Ah, on se concentre. Le scrolling, ça devient la folie. Ça tombe dans tous les sens. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver, si vous êtes épileptique, baissez l'humidité, ça pourrait péter avoir un... J'ose même pas imaginer ce que ça va donner au niveau des boulettes, vu le mode normal, déjà. Et des pailles. Mais je te dis, vraiment, genre, la sensation que j'avais à l'époque en arcade, c'était quoi, 2010, quand j'avais la borne. Oh, t'étais vraiment à côté, t'avais mal au bras, parce que la position est pas super confort en arcade. Pareil, après, c'est une question d'entraînement. Et ah ouais, non, t'avais des petites crampes aux doigts et c'était super. Attention, c'est le grand méchant. Je vais me souffrir. Il va devenir... Ah, il fait deux plus de monde. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on la bat pas, là. On pourrait, là, juste lui tirer, faire pan et voilà, quoi. Dans le dos, c'est minable, mais... on pourrait. Mais dans tous les jeux, il y a ça. Hein. Soit un jeu vieux ou un jeu récent... Il faut que le méchant fasse son monologue, voilà. Va comprendre. À tous ceux qui ont vu Les Indestructibles. J'avais adoré. Ouais, voilà, le coup du monologue. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est très fantastique. Bon, le film d'animation. Pixar, hein, sauf erreur. Allez, go, on y va. Attends. Il n'est pas encore... Voilà, là tu... Une grenade. Allez, réfléchis pas, use tout. Hein. Il prend des dégâts. Waouh. Ah, one shot. J'ai même pas vu ce qui m'a touché. Je prends le max et je te laisse les autres. Dépêche-toi, tes bonus vont pas. Non, en plus, c'est un sac à PV, ce truc. Alors, on a déjà un ennemi qui fait les tirs en ricoche. Ah, deux. Ah, ouais, c'est bon. Ah, y'a piou 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 piou. Ah putain. J'ai pas compté, mais là je crois que je me suis fait toucher quoi, deux fois même pas. Ah ouais, bah oui, mais toi t'es en papier. Ton perso, tu veux dire que la résistance des personnages est différente, c'est ça? Sûr. Ah oui. D'accord. Prends Léon, c'est vraiment un tank. Enfin un tank, on va dire qu'il encaisse trois coups, youpi quoi. Trois au lieu de deux quoi. Waouh. Ah, les lance-flammes, plus les tirs ricochets, plus les boulettes, oh c'est... C'est immonde. Que tu spas. Comment tu vas les tirer, tes bombes? Oui. La portée est très courte, là. Tu m'engueules. Ah, j'ai une petite larme. Oh. Alors, quand je dis que c'est immonde, c'est la difficulté, hein. C'est pas le jeu. Ah, regarde, tu fais comme moi, tu sautes et tu pries. Ouais. En essayant de... Oh, wow. Ah, moi et ma grande gueule, comment tu fais pour esquiver ça au corps à corps? Hop là, je vais prendre Power Max avant de mourir. Waouh, t'as utilisé tes bombes? Je suis fier de toi. Je t'agis. Si le régisseur pouvait lui couper le micro, ça m'arrangerait. C'était plus cher. On peut, c'est le dernier boss, c'est le troubleuse boss, on y va, on se lâche. Allez, on va essayer de bien jouer. Je joue comme un gauche, je saute en même temps que le perso. Allez. Ouais, je confirme, hein, en mode difficile, il y a beaucoup plus de boulettes qu'en mode normal. T'as vu les misères. Les attaques font plus mal. Hein. Oh non. Pardon. C'est le power up. Allez, hop. Ouais, je sais, c'est minable. Je suis invulnérable pendant le temps de tirer mes bombes. Fais gaffe, ouais, il tire des... Maintenant, il jette des bombes, le boss. D'accord. Yeah. Je voulais voir si on pouvait lui renvoyer. On peut pas lui renvoyer, mais en plus, elles ont un sacré rayon d'action. Tu n'avais pas tiré tes bombes. Il t'en restait 5. Tu peux pas regarder sur son...
te contenter de regarder ton perso, c'est trop te demander. Bah oui. Mais c'est la base merde. Quand même. Oh merde, putain, j'ai une patate. Bon, j'ai balancé des bombes pour se faire plaisir, là, des grenades. Le truc, c'est que c'est déjà hyper difficile d'esquiver les tirs, là, ceux avec les ricochets. Hop, la bombe. Oh non, c'est trop dur. Allez, c'est la fin, c'est la fin, regarde. Putain. Oh merde. Oh non. Allez, 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 on se concentre. Hey. Tiens, Bigo. Bon, merci, les continue infiniment. Ah ouais, ouais, là. Bon, je dis qu'on a bouffé une cinquantaine au moins. Oh, le jeu du diable. Et là, ça me fait sourire, tu vois. Ouais, vraiment pour Sony. Bon, très sympa, hein. Je me permets de donner mon avis, c'est très sympa comme jeu. Alors, j'aurais quand même tendance à préconiser de commencer par le début, c'est-à-dire le premier épisode. Bon, pas parce qu'il y a une histoire qui se développe au fil des épisodes. Néanmoins, je trouve qu'il est intéressant de prendre ses marques sur le premier, qui pose les bases. On l'a dit, les éléments de gameplay, enfin, ils sont pas mal repris dans ce second épisode. Mais surtout, voilà, il faut y jouer à ce second parce qu'il est frénétique, il est hyper sympa. Et il y a ce petit côté shoot qui est ajouté au côté run and gun. Je sais pas si je suis très clair. Ouf. Non, pour faire simple, c'est vraiment un jeu très bon. Ça s'appelle entre guillemets un super défouloir. Le 1, alors par contre, je joue sur le 1. On revient en 1, 10 secondes. Le coup de changer, ça fait un aspect technique qui est fantastique, malheureusement qui n'a pas été imprimé. De changer de personnage, tu veux dire, d'avoir une équipe. Ouais. Une équipe. Maintenant, on revient sur le 2. C'est propre, c'est frénétique. Les 4 persos sont vraiment, vraiment différents. Oui, je sais, j'ai assumé, j'ai joué avec le mec avec le laser, mais désolé, c'est un vieux tic que je prenais. Pas de soucis, je... Voilà. Tous les persos. La difficulté du jeu, je pense que tu peux pardonner. Hein. Tout est excusé. Ah ouais. C'était vraiment un truc hyper piossophile. Je sais, ça se dit pas, mais c'est pas grave. J'invente des mots, c'est du barbarisme. Donc vraiment, c'est un super jeu. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir à le redécouvrir, même si sans vous mentir, je me suis entre guillemets un peu entraîné pendant 2-3 jours pour redécouvrir le jeu. Mais voilà, c'est vraiment un jeu. Moi, j'appelle ça un jeu de canapé. Oh, on fait quoi soit. Oh bah je sais pas. Bah tiens, on va se faire ça, tu connais pas. Et là ouais, on passe une heure vraiment à sourire, à se dire oh putain qu'est-ce qu'il est bien, il est sympa, avoir toujours de la surenchère. Ouais. On commence par un accident de voiture, le camion, après il y a le boss qui arrive, il fait la moitié de l'écran, trop petit, truc. Don't stop, ouais. Voilà. Et le dernier boss est épileptique quoi, le coup du missile avec le décor qui tourne derrière, l'effet d'éclairage à l'époque c'était extraordinaire. Malheureusement, il a vieilli comme tout, mais je trouve qu'il a assez bien vieilli. Il est vraiment jouable. C'est vraiment une patte. Et ouais, si vraiment ça fait partie de mes petits jeux coup de cœur. Ah oui, ça. Bon, Weapon, oui, voilà. Ils disent. C'est beau la fin, hein, le petit message de paix. Malheureusement, game over. Je suis pas d'accord. Faut pas hésiter à le prendre, hein, il coûte quelques euros et enfin ça ne coûte rien sur les plateformes modernes en ligne. Prenez le plaisir de l'arcade. Alors après, en ce qui est arcade, il y a tous les prix. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, je vais pas cracher parce qu'il y a des sticks, c'est des œuvres d'art, mais en termes d'achat, c'est vraiment très cher. Ou pour les très bons, un peu cher. Hein, des sticks, Voilà. Mais vraiment super jeu, on revient sur le tutoriel là. C'était pour une animation pendant qu'on parle. Pardon. Vilain chat dans la gorge. Piquer des pontons, tiens, Bimia Zéro. Jouer, effectivement, faut tester, mais franchement, le risque est. Si vous l'achetez, le risque est très faible. Hein, que le jeu ne vous plaise pas, parce qu'il est vraiment très très bon, effectivement. Moi, j'ai évoqué certains. Certains. Des petits griefs, mais par rapport à la qualité du jeu, ils sont vraiment minimes. Moi, je te rejoins là-dessus, c'est un très très bon jeu.
Les deux sont bien, voilà. En définitive, je pense que c'est la conclusion, Nicolas, je pense que tu seras d'accord avec moi. Le premier, oui. Le deuxième, les deux sont top. Alors, me reste... Moi, je vous souhaite tous une très très bonne soirée. Surtout, portez-vous bien, le monde de la fin sera pour Christian. Là. Merci, merci encore Nicolas, merci. Ta performance, hein. Ma foi. Oui, alors il ne restait plus qu'à vous donner le programme de cette semaine, hein. J'en ai la primeur. Donc demain, 21h, la suite du live de samedi, à savoir Megaman. Là, on va se parler de Megaman 4, 5 et 6, hein, des épisodes assez, assez intéressants, avec Lionel, mon collègue d'MO5. Donc encore une fois, c'est la suite de samedi. Ça, c'est demain. Hein, donc. Jeudi, toujours à la même heure, 21h. On va se parler cette fois-ci de Sonic 3 et Sonic & Knuckles avec notre très chère Vanessa, que je salue, et Kendo, autre adhérent de MO5. Puis vendredi, même heure, Mortal Kombat le 1, avec notamment Benoît comme intervenant. Après, on va passer au live du week-end, à commencer par celui de samedi, 16h. Le fameux live que tout le monde attend sur la Polymega, la fameuse console multi-support. Après, ça va être ma foi, très, très intéressant. Puis le lendemain, dimanche 16h, gros événement, Street of Rage 3, Bare Knuckle 3, peu importe, Free, pardon, peu importe, avec notre ami Kendo et l'invité surprise. Ouais, je vais le dévoiler, je suis sympa, Benzaï, c'est pas rien. Je pense qu'on peut qualifier le programme de plutôt super sympa. Voilà, soyez présents. Je voudrais également vous remercier de nous avoir suivis pendant ces deux lives. Donc, j'ai passé en compagnie de Nicolas. Merci encore à toi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de l'Asso, hein, de l'Asso 5. Pourquoi pas devenir membre en même temps. C'est toujours sympa. On est sympa, hein, donc faut pas hésiter. Et puis surtout, c'est une noble cause. Hein. Je rappelle que MO5, c'est une association, hein, sérieuse qui porte sur la préservation du patrimoine français. Donc en plus d'une collection, de la gestion d'une collection qui est assez, assez ample, hein, je peux témoigner. On organise de nombreux événements, on est présent sur ces derniers, donc n'hésitez pas à venir vous parler. Si vous ne connaissez pas l'asso, ravi de vous en parler. Bon, ça, c'est dans une période, voilà, ça s'annonce plus radieux, hein. Ce sera dans les prochaines. Mais néanmoins, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Bon, il y en a plein, Facebook, Twitter, enfin, vous les connaissez, qu'est-ce qu'on a encore, Instagram, hein. Et la chaîne Twitch. Vous trouverez normalement le replay de ce live. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci encore à Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. Oh. Portez-vous bien. Bye bye. Soirée à tous et à tous. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.